et l'organisation, d'une part, par le département, effectivement, sur tout le protocole sanitaire pour le nettoyage, l'entretien des locaux, mais il y a aussi, ensuite, évidemment, toute une organisation par les enseignants, par les personnels de direction. Moi, ce que je voulais voir aujourd'hui, c'est comment nos agents ont organisé cette reprise, avec l'aide, évidemment, des personnels de direction, du principal, tous les cheminements, toute la distanciation, bon, le port du masque, ça va de soi. Il a fallu donc aménager l'ensemble des 57 collèges de façon à respecter l'ensemble des consignes de sécurité. Les 57 collèges ont 57 façons de gérer. Donc le maître mot, c'est l'adaptation de façon à mettre tous les enfants et les agents, bien sûr, dans les meilleures conditions. Il a fallu faire preuve aussi d'inventivité, peut-être parfois aussi, pour respecter tout le protocole. Et là, on le voit, hein, les agents vont chercher toujours à améliorer constamment la situation, tirent toujours l'expérience pour que les enfants puissent déjeuner sereinement, pour que tout le nettoyage puisse être fait aussi sereinement, pas d'affolement, je dirais de la sérénité. Nous serons prêts, nous sommes prêts à accueillir les collégiens en toute sécurité.